Casimir, c'est mon petit chien. C'est un chien de race mixte, un mélange de Beckel sibérien à pattes jaunes et de Clasher terrier néo-zélandais. Je l'aime beaucoup, Casimir, mais dernièrement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui se passe. À tous les jours, c'est rendu que je découvre des petits tas de vomi sur le plancher. Il régurgite non seulement sa nourriture, mais des corps étranges, des particules vivantes qui vibrent, qui explosent quand on les pince. Ça m'angoisse, ça m'énerve, ça m'apeure. Pauvre petit Casimir. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe avec mon petit chien? Calisse, Casimir! Je me sens tellement mal d'avoir crié après mon petit chien. Mais c'est difficile de rester calme quand on voit ça. C'est dégueulasse. C'est répugnant. Je suis pas plus fou que n'importe qui. J'aime avoir des planchers propres chez moi, mais ça devrait jamais passer avant la santé de mon petit chien. Petit maudit, fais ça quand j'ai le dos tourné. Casimir, c'est un chien discipliné, il se tient droit comme un poteau de téléphone, c'est un chien intelligent. Je pense s'il pouvait me parler, il me réciterait le dictionnaire tellement qu'il est intelligent, mais il a la fâcheuse tendance de me cacher des choses. C'est un chien qui a des secrets. Ça lui arrive de rester coincé dans sa tête, de pas trop savoir où ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait ici. Et puis c'est là que je me dis, si le vomi c'était pas quelque chose de psychologique. Malgré qu'on dit que les animaux peuvent avoir des contacts avec le monde des esprits. Mais ça, je préfère pas y penser. C'est juste que là, après avoir changé de sorte de nourriture 8 fois, quand même le vétérinaire dit qu'il peut pas m'aider, qu'il veut pas m'aider, qu'il touchera pas à ça. Après avoir fait analyser l'air de mon logement pour 1500$, pis qu'il y a rien qui cloche, commence à me dire qu'il y a sûrement quelque chose de paranormal que mon petit chien subit, que je peux rien faire. Je peux rien faire pour l'aider. Pauvre petit Casimir.